Bonjour à tous, je m'appelle Christian, et je suis étudiant de théologie biblique à la Grégorienne et cette année, en juillet, je suis parti à Paris grâce à la bourse de français. Je m'appelle Marcelo Alun, je suis mexicain. Je suis prêtre de la diocèse de Monterrey au Mexique, le nord du Mexique. Et cet été dernier, je suis allé à Paris pour faire les études de français dans l'Institut catholique de Paris. Bonjour, je m'appelle Evelina e sono una studentessa della Pontificia Università Gregoriana e sono iscritta alla licenza nella Facoltà di Beni Culturali della Chiesa e l'anno scorso sono stata molto contenta, veramente felicissima di aver vinto questa borsa di studio di un mese a Parigi, tutto il mese di agosto. Il y a ici à Rome l'Institut de Saint-Louis, mais je pense que faire les études dans le lieu où se parle la langue est vraiment une expérience différente parce que non est pas seulement d'aller à l'école pour pratiquer et tourner à la vie en italien ou une autre langue, mais toute la vie on doit le faire en français. Le France est aussi en réalité, en société multiculturelle. Parce qu'on dit à les Français, ce sont les pions, avec la chemise Avec la marinière. araignée. À la fin, nous pouvons découvrir que c'était beaucoup de gens, que ce sont Français, et ce sont diverses cultures que nous pouvons connaître à Paris. Okay. E ho vissuto una Parigi che sognavo, era la Parigi dell'arte, io sono studentessa di storia dell'arte, quindi la Parigi di tutti i musei. Ho avuto l'opportunità, in quanto ho 23 anni, di girare tutti i musei a un prezzo ovviamente vantaggioso, quasi gratuito, e di godere di questa bellezza.